Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours Borisov Hospital. Donc, si vous avez vu l'écran, c'est que vous êtes sur la bonne chaîne, voilà. Donc, pour tous ceux qui viennent juste de voir ma chaîne YouTube, essayez de vous abonner et puis essayez aussi de me donner une pouce bleu, voilà, pour que tout se passe mieux sur cette chaîne. Voilà, donc, comme vous le voyez ici, je donne des informations sur les bourses et on aide aussi à les postuler, voilà. Donc, ceux qui sont intéressés, ils peuvent m'écrire inbox, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui je suis juste là pour faire une vidéo pour ceux qui viennent de la Russie, ceux qui viennent ici en Russie cette année ou bien l'année prochaine pour venir y étudier. Et en même temps je donne les félicitations à ceux qui ont déjà obtenu la bourse. Voilà. Et je donne les félicitations à ceux qui ont déjà obtenu la bourse. Donc comme je le disais, aujourd'hui c'est juste pour vous montrer un peu, pour ceux qui m'ont posé la question, combien est-ce qu'on peut dépenser par semaine ou bien par mois pour vivre ici en Russie. Donc aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter une vidéo, voilà. Donc je vais chaque dimanche je fais comme ça mon approvisionnement en ce qui concerne ce que je dois dépenser en matière d'alimentation par semaine. Donc aujourd'hui je suis là juste pour vous montrer un peu comment et combien est-ce que vous pouvez dépenser. Mais n'oubliez pas, ce que je suis en train de faire c'est pas généralisé parce que ça dépend des provinces. C'est pourquoi j'ai dit aux étudiants, si vous voulez venir étudier ici en Russie, essayez d'abord de viser les villes qui sont en province, voilà, avant de viser les plus grandes villes comme le Moscou ou Saint-Pétersbourg, vous comprenez, parce que là-bas la vie n'est pas identique à celle qu'on voit ici en province, voilà. Mais quand je dis en province, ça ne veut pas dire aussi village, seulement que c'est un peu reculé de Moscou, voilà. Donc pour ceux qui sont vraiment intéressés, suivez la vidéo et puis je vais vous montrer. Donc vous voyez là, ça c'est le magasin Piat et ça c'est le magasin Rouge Blanc, vous voyez, voilà. Donc là bas comme ça vous pouvez avoir les boissons. Donc retenez bien ces magasins là parce que c'est partout en Russie. Rouge Blanc, vous allez pouvoir retrouver comme ça les boissons alcoolisées ou bien non alcoolisées qui sont assez moins coûteuses, vous comprenez. Voilà, donc et ici ce que vous allez avoir là bas à 65 pièces, vous allez l'avoir ici à 100 pièces, c'est un exemple, voilà. Donc ce que je vous dis ici, vous prenez les boissons que vous voulez et tout ça, et ici vous prenez les aliments de force, voilà. Là donc je vais faire le marché, comme ça vous allez au moins comprendre de quoi je suis en train de parler. Ok les gars, on y va. Ok, donc je suis là, voilà. Aujourd'hui comme ça j'ai décidé de prendre des couscous pour cette semaine. De prendre des couscous. Donc je vais comme ça essayer de voir. Ah, où va couscous ici? Donc je vais comme ça essayer de voir. Voilà. Les couscous sont là. Donc pour cette semaine, le roi des couscous. Donc si vous voyez là, ils ont mis 99. 99, je vais comme ça arrondir. Si c'est en franc CFA, vous mettez juste un zéro là. C'est juste une approximation, voilà. C'est une approximation maximale. Donc vous mettez un zéro là, ça fait 990. 990 francs CFA. Donc je vais prendre comme ça deux. Voilà. Je vais faire comme ça deux. Et après cela, bon, une fois que je rentre comme ça, c'est ce que je vais prendre. J'ai déjà des spaghettis à la maison. Je rappelle très bien que mon approvisionnement, c'est chaque dimanche avant d'aller dans mes grouillements. Donc chaque dimanche, j'essaie comme ça de faire mon approvisionnement pour la semaine suivante. Voilà, donc je ne vais pas prendre de... Donc vous avez bien noté, j'ai pris au moins deux couscous. Donc ici, je dois prendre des tomates. Des tomates... Voyons voir, je vais essayer comme ça. Donc, ici, voilà la tomate que je veux. Ici, ça fait 79. Donc, si je mets comme ça en franc CFA, ça fait 790. Vous comprenez, ça fait 790. Donc j'ai déjà pris deux couscous à 990.
Et ici, c'est 790. Vous voyez, j'ai pris la tomate. Donc, ok. Donc, ici, je vais comme ça essayer d'utiliser au moins deux chips. Deux chips, c'est au cas où, lorsque tu rentres et que tu es un peu fatigué, tu veux te voir. Tu veux regarder un peu de Netflix. Tu prends ça. Donc, ça fait. Donc, ça fait 33. Donc, pour un seul chips, c'est 33. Moi, j'ai pris deux. Je considère que c'est 66. Voilà, donc. Ça fait 66 maintenant. Alors, on y va maintenant pour la viande. À ce qui concerne l'huile et tout ça, je ne consomme pas l'huile qui est là parce que ça me donne un peu de nausée. Donc, ce que je fais, c'est que je l'utilise avec des beurres. Donc, je prends l'œuf ici. L'œuf, je pense qu'il est un peu moins coûteux. Ici, c'est 113. Ici, c'est 73. Ça veut dire que c'est 730. Voilà. Donc 730, prends ça, n'oubliez pas, c'est pour la semaine, mais même si c'est pour la semaine, il y a aussi qui peut rester. Voilà, comme je vous l'ai dit, en ce qui concerne les boissons, pour les boissons, on ne prendra pas ici, voilà, parce que nous sommes dans la partie piate et la partie blanc et rouge se trouve un peu devant. Je vais aller là-bas pour les boissons. Ok, donc. Une fois que je finis là, je viens ici. J'ai déjà pris les chips. Voilà, donc ici les poulets sont hyper moins chers. Donc si vous voulez prendre, ce sera un peu mieux pour vous. Mais moi, je ne vais pas prendre cela. Moi, je suis là pour les gésiers. Voilà, moi je prends ça pour gésier pour cette semaine. Si je rentre que je ne suis pas fatigué et que je veux préparer, c'est ce que je vais prendre, les gésier. Et ça coûte 87. Donc 87 unités. Si je prends deux. Ok. Et voici les poulets qui sont là. Les poulets sont hyper moins chers. Donc si vous voulez prendre, moi je vais vous conseiller les poulets. À chaque instant, c'est du poulet que je prends. Mais cette fois-ci, pour cette semaine, je vais prendre les gésier. Voilà. Je rappelle encore que ces montants-là dépendent de la localité. Voilà, à Moscou c'est un peu plus cher. Voilà, la vie à Moscou peut faire au moins deux fois celle d'ici. Donc, je vous conseille toujours de, lorsque vous venez, n'essayez pas de viser directement à Moscou, mais essayez aussi les provinces. Et une fois que vous pensez que vous êtes prêt, vous pouvez prendre Moscou. Donc ici je prends. Ok, donc ça coûte 44 unités. Ok, donc ça reste l'huile qui est le beurre. Moi, l'huile que j'utilise, c'est le beurre. Donc c'est ce beurre là que j'utilise comme huile. Donc ça coûte 37, c'est 370. Je rappelle très bien que j'ai énuméré pour comme balance le rouble. Un rouble ici est égal à ça va faire 7 francs CFA, mais je l'ai balancé à 10. Voilà, pour arrondir les choses, pour mieux faire les calculs. Voilà, je crois que ça va maintenant. Voilà, je crois que ça va. Donc, si c'est bon, je crois que par rapport à ce que j'ai écrit, ça va. Donc, maintenant, je vais essayer d'acheter les boissons. Mais pour les boissons, comme je vous ai déjà expliqué, je vais aller dans l'autre département. Voilà, puisqu'il y a. Il y a. Deux magasins qui sont ensemble collés.
Donc, on y va. Grâce. Da. Donc c'est le bâton qu'il a ici. Donc ici à 600 700 carte. Lâche carte, pas de mes téléphones, moi. C'est bon, regarde. Donc, ça fait 500. Ah. Ok, donc ici j'ai dépensé 754. Si je fais en français, vous ajoutez juste un zéro, voilà, et c'est tout. Donc comme vous l'avez vu, j'ai dépensé ici 754. c'est dans l'endroit Piat. J'ai dépensé 754, ça veut dire j'ai dépensé 7540 francs CFA. Donc maintenant, une fois que je finis, je vais maintenant me diriger dans la partie boisson. Quand je dis boisson, c'est alcoolisé ou non alcoolisé. Et n'oubliez pas, cette vidéo là, je fais pour ceux qui sont non fumeurs et non alcooliques. Quand je dis non alcoolique, ça veut dire que vous ne buvez pas ce qui est alcool, parce que je ne bois pas l'alcool et je ne fume pas. Vous voyez, donc les éléments que vous allez voir là, ceux qui sont non fumeurs, ok, mais ceux qui sont des fumeurs, ils vont devoir ajouter quelques éléments, voilà, parce que ici ce qui peut prendre en charge, ou bien ce qui peut diminuer votre budget, c'est la cigarette ici, près de 115% fume. Donc si vous venez que vous fumez, alors vous allez vraiment hyper dépenser ici. Et ceux qui sont alcooliques aussi, ici aussi il y a assez d'alcooliques. Donc si vous venez, vous allez boire, ou si vous aimez boire, vous allez hyper boire encore. Donc c'est un peu ça. Donc tout à l'heure, je vais me diriger dans l'autre partie pour vous montrer un peu. Donc vous notez bien, j'ai dépensé 7540 francs CFA. Donc je vais me diriger maintenant vers l'autre partie. Ok, donc comme je vous l'ai dit, voilà, je viens de finir avec cette partie là je dois partir maintenant, je dois aller ici pour pouvoir m'acheter des coca ou bien des jus, voilà. N'oubliez pas, on pouvait aussi avoir ça là-bas, mais là-bas c'est plus cher qu'ici. Donc on essaie de faire avec comme ça. Donc on y va les gars. Ah. Извините, где можно это поставить? Можно туда, да? Да, можно. Спасибо.
Ok, donc ici je vais juste choisir mon jus. Parce que le premier qui est là, vous voyez ce qui est là, quelle est la différence entre ce qui est là, entre ce qui est en jaune, ça veut dire qu'il y a des réductions, vous comprenez? Donc moi je prends ça. Je prends ça et je prends aussi ça. Donc ok, voilà, je viens ici avec les boissons. Voilà, donc là-bas j'ai dépensé 209 euros. 209 euros, bon, c'est 2090. Voilà, celui-là, la partie blanc, rouge blanc. Donc j'ai fini ici avec les boissons. Et j'ai fini là avec les aliments de force. Donc maintenant je peux rentrer. Donc en somme, ce que je tente de dire, c'est quoi? C'est que vous voyez, 7540 avec 2090, donc environ 10 000 francs CFA pour la semaine, vous comprenez? Donc si vous voulez venir y étudier, si c'était par exemple comme ça à Moscou, peut-être que j'allais me trouver avec 8 000 francs CFA la semaine, ou bien 20 000 francs CFA, ou bien même le tout, vous comprenez? Parce que là-bas les éléments ne sont pas identiques. Donc il y a un peu de hausse des prix là-bas, Saint-Pétersbourg ou bien Moscou, les plus grandes villes. Ici c'est aussi une grande ville, mais c'est plus considéré comme une ville qui n'est pas assez chère. Et lorsque vous complétez cela, par exemple comme ça, avec quelques invitations et tout ça, si par exemple vos amis vous invitent, n'oubliez pas que ici, les invitations, même si quelqu'un t'invite, arrivez au lieu de l'invitation, c'est vous-même qui payez ce qui va se passer là-bas. Voilà, ce que vous allez manger, c'est vous-même qui payez. Donc c'est pas comme chez nous où quand on invite, c'est nous on paye. Non, ici c'est pas comme ça. Donc si vous voulez faire une estimation comme ça, vous voyez que je viens de dépenser 10 000 francs pour la semaine, 10 000 francs CFA pour la semaine. Donc ça veut dire que si avec les invitations, si j'ai reçu au moins 3 invitations, mais 4 invitations dans la semaine, et que j'ai dépensé peut-être 5 000 francs, ou bien, vous comprenez, si j'ai dépensé au moins 5 000 francs, voilà, maximum, je me retrouve comme ça à 15 000, voilà. Et si j'ai des occupations, ça je vais pas comptabiliser, mais ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est en ce qui concerne l'alimentation. Donc vous avez vu ici que dans la ville de Samara où je suis, avec 10 000 francs, voilà, c'est une estimation, ça n'atteint pas les 10 000, mais c'est une estimation, voilà, donc ça va atteindre peut-être 9 000 ou bien 8 000, mais avec les arrondissements, j'ai atteint 10 000 francs, donc vous comprenez que avec cela, vous allez pouvoir faire quoi? Vous allez pouvoir finir une semaine,
Alors, si vous allez projeter comme ça, de façon statistique, si vous allez projeter en un mois, ça fait x4. Voilà, donc en même temps, vous savez un peu comment est-ce que vous allez dépenser et puis comment est-ce que vous allez faire. Voilà, donc les gars, c'était juste pour vous aider un peu à pouvoir faire vos calculs avant de venir ici. Voilà, donc c'était moi de Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne 2, monsieur le Russo 225. A plus les gars.